Le directeur général des institutions financières nationales, Jean-Pierre Nonneau, représentant le ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, a ouvert lundi 4 juillet 2022 à Brazzaville les travaux du séminaire à l'attention des cadres de contrôle des assurances des 16 États membres de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance, CIMA. Ouvrant les travaux, Jean-Pierre Nonneau a rappelé: comme vous le savez, l'Institut international des assurances est spécialisé dans la formation des cadres et des techniciens d'assurance pour le besoin des entreprises d'assurance, des administrations de contrôle dans nos États membres. Mesdames, Messieurs, au cours de ces travaux, vous aurez assurément à examiner les nouvelles approches sur le contrôle, in fine, assurer la stabilité du système financier, ce qui constitue le baromètre de l'état de santé de l'assureur et de la bonne marche de notre institution. Notons que la CIMA a été créée le 10 février 1992 sur les cendres de la Conférence internationale des contrôles d'assurance, CICA.